Bonjour à tous, c'est Simbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour l'anniversaire donc d'un célèbre accord, l'accord de Paris sur le climat, donc qui a été adopté le 12 décembre 2015, il y a pile 4 ans. Donc évidemment, premier accord universel sur le climat et le réchauffement climatique, fait suite aux négociations qui se sont tenues lors de la conférence de Paris, donc COP21 à Paris, et donc premier, voilà, le texte le plus largement et le plus rapidement signé de l'histoire de l'humanité. Donc ça fait quand même plutôt plaisir de voir ça. Aussi, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur cet accord? Voilà. Premier texte élaboré par l'ensemble des pays de la planète, donc vraiment un truc qui est totalement original, hein, voilà, comme nouvel accord. Et évidemment, accord donc qui prévoit de contenir d'ici à 2100 le réchauffement climatique bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, donc il y a un objectif ambitieux. Est-ce qu'on va réussir? Nous verrons. Et du coup, donc voilà, et c'est un accord donc qui a été adopté, voilà, ici par Laurent Fabius, hein, le président de la conférence, avec ce marteau qui est super moche, mais pourtant, voilà, qu'a déclaré Laurent Fabius? Voilà, c'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Et voilà, c'est adopté, incroyable, un accord de qualité qui sauvera le monde. Espérons-le. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre accident, un accident ferroviaire qui a eu lieu en France le 12 décembre 1917, l'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est dans les Alpes. Alors, faut se remettre dans le contexte, hein, on était dans la Première Guerre mondiale et c'était, voilà, une armée franco-britannique qui était allée aider les Italiens parce qu'ils se faisaient battre par les Austro-Hongrois. Et du coup, bah, on a un train qui contient plein de franco-anglais qui ont une permission et donc qui retourne en France. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben tout simplement, bon, on a un train, voilà, qui va à 135 km/h, voilà, plus même 150 km/h, donc qui commence à devenir énorme. Puis le train déraille, il y a plein de locomotives, enfin il y a la locomotive qui rentre contre un mur, puis du coup ça explose et donc c'est pas fou. Et donc en termes de bilan, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, 425 morts, 423 soldats et 2 cheminots, donc ça fait pas du tout plaisir. Puis en plus plein de blessés, voilà, des morts identifiées. On n'a jamais vraiment su combien de gens étaient morts, donc ça fait pas du tout plaisir. Aussi, il y a vraiment des gens partout en France qui ont été tués dans cet accident. Voilà, alors, vous voyez presque tous les départements comptent au moins un mort, donc c'est pas du tout sympathique. Puis aussi, c'est un accident qui a été plutôt caché donc par l'État. Évidemment, il y a eu une censure parce que bon, c'était déjà la guerre, donc en plus on n'avait pas parlé d'accident ferroviaire. Donc voilà, un truc pas fou, mais voilà, plus grand accident ferroviaire de l'histoire de France à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre arrêt, donc arrêt de la Cour suprême américaine, donc voilà, l'arrêt Bush-Gore. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est donc un arrêt qui met un terme aux recours et aux contestations consécutives à l'élection présidentielle américaine de 2000. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette élection? Bah en fait, c'était George W. Bush, donc un républicain, gouverneur du Texas et ancien et d'ailleurs fils de l'ancien président, donc contre le démocrate Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça a été une élection hyper serrée parce qu'en fait, en fait, oui, voilà. Donc tous les États, bon, tout avait été bien compté, sauf en Floride. En Floride, c'était George Bush qui gagnait, mais avec une majorité totalement minuscule. Et il y avait eu apparemment des problèmes sur le comptage des voix, et celui qui gagnait en Floride gagnait l'élection. Je peux vous dire que c'était plutôt important. Et du coup, on a la Cour suprême de Floride qui a décidé de recompter les voix, parce que bon, les démocrates n'arrêtaient pas de se plaindre, parce qu'il faut aussi savoir que le gouverneur du Texas, bah, c'était Jeb Bush, et Jeb Bush, bah c'est le frère de George Bush, bah quel hasard. Et bon, du coup voilà, donc ça a été recompté, sauf que la Cour suprême des États-Unis, bah qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit donc voilà, en fait, que c'était un anticonstitutionnel. Donc voilà, elle a estimé, voilà, que le recomptage de la Cour suprême de Floride était anticonstitutionnel, puis qu'il était impossible d'effectuer un recomptage constitutionnel dans les délais impartis par la Constitution des États-Unis, à moins de violer plusieurs principes juridiques liés à l'équité et l'égalité devant la loi. Et du coup, elle annule le recomptage des voix, et du coup, eh ben, on met l'ancien recomptage, et c'est George Bush qui devient président des États-Unis. Et en plus, c'est chiant parce que, enfin, voilà, en restant objectif, mais c'est en plus un coup dur pour Al Gore parce qu'il avait gagné en termes de vote populaire, il avait eu plus de voix que George Bush. Donc c'est quand même coup dur, mais donc voilà, un nouveau président pendant 4 ans, plus 4 ans après. Donc à retenir. Voilà les trois événements du jour. Donc on a l'accord de Paris sur le climat adopté en 2015, l'accident ferroviaire de Saint-Michel-de-Maurienne en 1917, et donc l'arrêté Bush-Gore, donc de la Cour suprême des États-Unis en 2000. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.